Évidemment, si vous cuisez vos huiles, vous perdez l'effet thérapeutique, mais le goût va y rester. Ça dépend, tu sais, une fois de temps en temps, si ce n'est pas pour un effet thérapeutique, c'est correct. Vous pouvez faire votre marinade. Après ça, vous enlevez votre viande ou vos légumes que vous avez fait mariner. Vous les faites cuire, mettons, sur le barbecue, vous les faites cuire au four ou rôtir sur la poêle. Ben oui, il va perdre la propriété, mettons, thérapeutique du citron, mais vous allez encore avoir le goût, tu sais. Fait que ça, c'est à votre discrétion. Fait que j'espère que je vous donne de l'inspiration, des idées. Je récapitule. Pourquoi on utiliserait les huiles en cuisine? Ben, un, c'est efficace, donc on n'a pas besoin des épices à ce moment-là. Donc, c'est efficace, ça a un effet thérapeutique également. Puis comment? Ben, dépendamment de l'huile, on peut soit la diluer, moins la diluer, puis à ce moment-là, choisir dans vos recettes préférées comment les ajouter. Évidemment, si vous mettez vos huiles essentielles dans un placard, dans votre salle de bain ou dans votre chambre, dans un tiroir bien loin, clairement, vous n'allez pas les utiliser en cuisine. Fait que je vous invite à ce moment-là de les garder proches de la cuisine. Moi, j'ai mon armoire à épices, ils sont là. S'ils sont pas là, ils sont dans mon salon qui est juste proche. Fait que là, des fois, ils sont tout le temps proches parce qu'évidemment, si c'est en fin fond d'un tiroir, vous n'allez pas les cuisiner.